Bienvenue à Laval Estival. Voici tout de suite, sans plus tarder, mes chroniqueurs. Ça va bien? Ça va, toi? Ouais, ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec vos selles comme ça, là? Vous m'écoutez pas? On répond à ta question Twitter. Alors, j'ai même pas encore posé la question. Mais on essaie d'être plus vite que toi. OK, ils savent qu'on a eu un meeting avant. On sait la question. Là, tu peux la reposer à eux autres. Alors, je vais poser la question à vous autres aussi. Comme on a eu une semaine remplie de musique ici dans la région de Laval avec le mondial Loto-Québec, le festival, la Saint-Jean-Baptiste la semaine passée aussi, ça m'a inspiré la question suivante qui est: quelle est votre chanson d'été? Donc, pour répondre à la question, vous devez aller sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Et j'espère que vous allez répondre à la question... À moi aussi, non? Facebook. Ouais, on va te la poser, la question. Ouais. Oui. Alors, tiens, commençons par toi, Catherine. Moi, je suis plus. J'aime beaucoup les chansons de l'heure. Ouais. Et la chanson. Alors, Justin Bieber, si je ne me trompe pas. Non, pas Justin Bieber. Ça s'appelle Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Ah, ça, c'est Catherine. T'aimerais pas ça. Ah, oui, c'est tellement bon. Écoute ça. C'est la chanson de l'été, je vous dis. Ben, pas en tout. En tout cas, chaque personne a ses goûts, n'est-ce pas, Sam? Ouais. Et toi, Sam, c'est quoi? Moi, j'ai pas vraiment de chanson préférée, mais... Mais chanson d'été, là. Tu dis, ça, c'est ma toune d'été. Là. Hélène, rock voisine. OK. C'est... Non, mais c'est... Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, ça fait été. Okay. Ah oui, ça fait très été. Bon, mais voilà. Non, c'est une très belle chanson de rock voisine. Ça me surprend de toi, Sam. Tu me surprends chaque jour, je te le dis. Ça, c'est comme dans ma génération. C'était Happening. Yes. C'était la... Oh, c'est quoi son nom? Ta chanson préférée? Carly Rae Jepsen. Moi, c'est ça. C'est la Carly Rae Jepsen des années 90. Okay. Incroyable. Sarah. Oui, là, tu me fais peur. Comment tu me regardes comme ça, Inès? Je te regarde avec amour. Ma chanson favorite, tantôt, on a essayé de chanter l'air un petit peu parce que les paroles sont... Mais des fois, on connaît les paroles, mais on connaît pas qui chante la chanson. Non, mais moi, je connaissais juste pas les paroles, pas la personne. Le titre, Catherine l'a sorti. I say to Puego. Puis, Younes, tu vas nous faire un petit texte. Oui, c'est la toune. La toune fatigante avec le beau vidéoclip. Très bonne, cette toune-là. Oui, très fatigante. Ça, c'est la toune de pour moi. Ben, c'est pas mieux qu'Hélène. Et toi, Younes? Ce qui est encore plus bon, juste revenir sur sa chanson, c'est le vidéoclip. Je vous invite tous à aller le voir. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, plein de belles pitounes. Alors, on va continuer tout de suite avec moi. Tu veux savoir pour moi? Moi, c'est la chanson de Florida, Whistle Baby. Oh, OK. Oh my God. Ça joue 60 fois à la radio. Mais là, je vais me tanner à un moment donné, c'est sûr. Tu vas être un gars heureux dans la journée, toi. Un gars dans le trafic, toi, absolument. C'est heureux. Ça joue tout le temps. Ouais. Mais peut-être que je vais me tanner un jour, je ne sais pas. Alors, Catherine, tu nous prépares quoi au niveau de l'actualité cette semaine? Au niveau d'actualité, on parle de parcs, de communication, du monde agroalimentaire et de la centrale des artistes. Ah. C'est ça. Ça suscite un petit peu la curiosité de Sam. D'après ce que je peux voir, toi, tu nous parles dans les arts... Là, ça bouge beaucoup dans les arts et spectacles. Bien, je dirais oui, effectivement. On a eu le gros party de lancement du Mondial Loto-Québec Laval. Ouais. Et j'ai rencontré aussi Lorraine Desmarais, qui est passée de passage en studio, qui a lancé tout récemment son album, son album jazz. Jazz. Oui. Et on était du côté de la salle André Mathieu. Surprise! Il va chaque semaine. Sarah, toi, dans le sport. Oui, moi, cette semaine, je vous parle du mouvement aquatique de Laval et de deux athlètes talentueux. Je parle beaucoup d'athlètes, mais ils sont très talentueux à Laval. Comme à chaque semaine. Oui, voilà. Effectivement. Alors, on commence tout de suite l'émission avec Catherine, qui tu as parlé avec Judith. Judith Paré. Oui, voilà. Exactement. Judith Paré est venue nous parler de multiples activités qu'on retrouve dans 12 parcs différents de la région de Laval. Avec mon studio, Mme Judith Paré, animatrice à la vie de quartier, qui nous parle d'activités qui se déroulent dans vos parcs lavallois. Mme Paré, comment allez-vous? Très bien, merci, vous? Très bien. Excellent. Oui. Alors, l'été, ça se passe dans les parcs. Oui, c'est votre slogan. Mais quand vous écrivez parc, vous l'écrivez avec un point entre chaque lettre, P-A-R-C. Qu'est-ce que chaque lettre signifie? En fait, ça veut dire parc d'activités physiques et de rendez-vous culturels. OK, parfait. Et quel est le concept du parc? En fait, on est parti d'activités qui étaient déjà en place dans nos parcs les années passées, qui ont eu un succès, donc des activités de cinéma plein air, de théâtre. Et on a voulu créer des endroits qui étaient accessibles pour les citoyens, qui étaient au cœur de leur quartier, où ils pourraient avoir un sentiment d'appartenance, un lien d'appartenance, en fait, avec leur quartier. Donc, en créant une programmation autour
de ces sites-là à travers la région de Laval au complet. OK. Donc, en ayant des parcs respectifs pour chaque région? Exactement. Il y avait 12 parcs, c'est ça. OK. Et c'est ça finalement votre nouveau concept que vous avez instauré cette année? Exactement. Le nouveau concept, en fait, c'était vraiment de créer une programmation complète, autant en activité physique qu'en rendez-vous culturel, en activité culturelle, pour vraiment que tout le monde y trouve son compte, puis que les familles avec leurs enfants puissent avoir des activités autant sportives qu'effectivement, comme j'en parlais tantôt, le cinéma, de trucs culturels, en fait. Et maintenant, on parle d'activités. Oui. Quel type d'activités offrez-vous exactement? Bon, en fait, si on y va sur les deux volets, on a d'abord bon, les activités physiques. Donc, avec nos partenaires dans les secteurs, on va avoir des activités physiques bon, d'initiation, de découverte multisports. On va avoir Basketball Laval qui offre des initiations de basketball. Ah oui? On va avoir des journées spéciales de piscine, des tennis en famille, donc où vraiment les parents vont pouvoir aller avec leurs enfants, profiter des sports, découvrir ce sport-là pour peut-être les inciter à les pratiquer plus tard. Ensuite, on prend par exemple au parc Isabelle Champenois dans le secteur de Sainte-Rose et Fabreville. Mm-hmm. Vous allez trouver par exemple des initiatives intéressantes de danse Zumba, d'initiation à la danse Zumba, d'atelier de cirque. Ah, c'est fun, ça. Oui, tout à fait, exactement. À l'extérieur, c'est encore plus agréable. Et des ateliers de cirque, qui est une nouvelle initiative en fait là, cette année, qui va peut-être sortir de l'ordinaire. Pour tout ce qui est le volet culturel, en fait, bon, on va retrouver les fameux cinémas plein air qui sont déjà chez nous depuis quelques années. Le théâtre à ciel ouvert, en fait, qui est une pièce humoristique cette année, Le mur infranchissable, mm-hmm. où en fait l'histoire, grosso modo, c'est un fou du roi et la princesse qui se font mettre dehors du château par le roi et ils vont allier leurs forces, donc le côté familial, l'amitié qui va unir leurs forces pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, c'est quand même des belles leçons. Puis, bien sûr, bon, tous les ateliers de tente à lire, c'est des choses qui vont être intéressantes. Bien sûr, il y a le volet vie communautaire qui va être vraiment au niveau des fêtes de quartier dans les différents secteurs. Et dans le secteur plus de l'est de l'île, où on va trouver un marché de quartier, où on va vendre des fruits et légumes au parc Rodolphe Lavoie, puis au parc du Moulin les jeudis et vendredis soir, à partir du 3 août. Donc, c'est quand même des initiatives qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et c'est le fun parce que ma tente à lire, c'est des activités ciblées pour les 0 à 5 ans. Donc, vous avez vraiment une étendue pour tous les âges. Tout à fait. Et ma prochaine question, c'est quoi la clientèle cible pour ces activités? En fait, on cible vraiment toutes les clientèles, donc 0 à 18 ans, vraiment tous les jeunes et leurs familles. Donc, on veut vraiment que les familles, les parents aussi prennent le temps d'aller avec les enfants au parc. C'est pourquoi, dans le fond, en fait, le nouveau concept aussi était de créer un environnement familial, sécuritaire, avec des infrastructures présentes sur place pour les familles. Mm-hmm. Et vraiment que les gens puissent se rendre en vélo, en déplacement actif, en transport en commun, comme le veut un petit peu la nouvelle politique de l'activité physique. On voulait vraiment là, créer un endroit qui était près de chez eux où ils pouvaient se rendre sans prendre la voiture, en fait. Et vraiment tout intégré, c'est super le fun. Tout à fait. Vous avez tous les volets. Et vous dites que vous avez ça dans plusieurs parcs. Oui. Vous avez ça dans 12 parcs différents. Lesquels sont-ils? Alors, les 12 parcs sont le parc des Saules à Auteuil, le parc Saint-Édouard à Fabreville-Ouest, le parc Légaré à Chemédé, le parc Pidis à Chemédé, le parc Coursol à Renault, le parc Champenois à Sainte-Rose, le parc Dumoulin à Saint-François, le parc Chénier à Pontvieux, le parc Isabelle à Fabreville, le parc Rodolphe Lavoie à Saint-Vincent-de-Paul, le parc Couvrette à Sainte-Dorothée et le parc Prévost à Vimont. Parfait. Alors, pour tous les intéressés à tous ces parcs, vous allez retrouver toutes les activités. Et c'est quand que se déroulent ces activités exactement? En fait, les activités débutent le 28 juin et vont aller jusqu'au 23 août. Donc, normalement, vous allez avoir une belle gamme d'activités là, à travers la période estivale, le congé scolaire, en fait. Exactement. Donc, quand c'est pas les festivals, c'est les parcs. Exactement. On a le choix. C'est le fun. Exactement. Et c'est où qu'on peut obtenir plus d'informations sur les activités ou sur chaque parc respectif, les horaires de chacun? En fait, vous pouvez aller sur le site Internet de Ville de Laval, sous l'onglet Vie communautaire. Donc, vous allez avoir vraiment la programmation complète. Bien sûr, vous pouvez vous présenter dans les bibliothèques de chacun de vos quartiers ou dans les bureaux municipaux lavallois. Certainement, si vous appelez aussi le 031, vous allez pouvoir avoir de l'information. Puis chacun des parcs sont identifiés par de gros panneaux. Donc, normalement, c'est impossible de les manquer. OK, parfait. Puis, bien sûr, il y a aussi les dépliants qui vont être accessibles pour tout le monde. Exactement. Parfait. Donc, les dépliants qui vont être accessibles pour tout le monde dans tous ces endroits-là que je viens de vous mentionner. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission.
Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. Sarah. Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. Alors, Sarah, tu nous rafraîchis en nous parlant d'un sport aquatique. Pas seulement un sport. Je vous parle du mouvement aquatique Laval. Tu nous gâtes. Oui, là, je vous gâte en sport aquatique. C'est un club qui regroupe 4 sports aquatiques. Alors, d'abord, le club de plongeon Laval, ensuite la natation, le water polo et la nage synchronisée. Tout ça se déroule à Laval. Pour le mouvement aquatique, le club a été fondé en 1975 et avait pour objectif de grouper en association des personnes intéressées à promouvoir les activités aquatiques dans la ville de Laval. Est-ce que c'est un club amateur ou, je veux dire, il y a des athlètes qui font de la compétition dans le club aussi? Bien, c'est un peu des deux. Il y a compétition et, dans le fond, amateur. Tout le monde peut y aller. Ensuite, l'objectif second, c'était d'intéresser la population ainsi que les institutions publiques et privées à la promotion des activités aquatiques dans le secteur. Et ensuite, c'était d'organiser et tenir des cours, des conférences, des réunions, tout ça relativement aux activités aquatiques de Laval. Magnifique. Oui, c'était magnifique. Et dans le fond, ils avaient 3 mandats. Tout d'abord, le mouvement aquatique Laval doit gérer la piscine de Val-des-Arbres. Ils sont responsables du programme estival des cours de natation et des activités aquatiques. Ils sont également responsables de la formation des sauveteurs et des moniteurs des cours de natation qui se donnent au mouvement aquatique de Laval. Toutes ces informations sont de ma source, Mélanie Bigras, qui travaille pour ce centre. Je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Christine Châtel et Nicolas Tremblay. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Christine Châtel et Nicolas Tremblay pour nous parler du programme d'été du mouvement aquatique Laval. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Alors, tout d'abord, c'est quoi exactement ce mouvement aquatique Laval? En fait, le mouvement aquatique Laval, c'est un organisme à but non lucratif qui a commencé en 1998. Donc, c'est ça. Puis, on promouvoit aussi toutes les activités aquatiques dans les piscines extérieures de Laval. Donc, le but premier de cet organisme, c'est de promouvoir tous les sports aquatiques durant l'été? Oui, aussi. Puis, promouvoir aussi un rythme de vie sain pour tous les jeunes à Laval et les adultes aussi. Ah ben c'est parfait tout ça. Alors, Christine, vous êtes spécialiste en natation et Nicolas en water polo. J'aimerais que vous me disiez là, en quelques mots, qu'est-ce qui fait en sorte que votre sport, ce serait le meilleur pour vous? Bien, en fait, la natation, moi, je suis plus au niveau sécurité aquatique. Il y a 2 parties. Il y a le niveau junior, les niveaux, il y a des niveaux adultes aussi, puis il y a les niveaux préscolaires. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on part du tout début, et puis ensuite, on fait évoluer les jeunes, puis on les voit grandir, on les voit devenir sauveteurs, moniteurs. Donc, moi, j'aime beaucoup ça de mon sport. Donc, c'est l'évolution dans la natation. Et puis pour vous? Moi, le water polo, c'est vraiment le fait que ce soit un sport d'équipe qui se pratique à tous les âges, puis aussi qui est dans l'eau, puisque dans l'eau, c'est ma passion. Puis aussi, c'est un sport d'équipe où il y a très peu de risques de blessures, c'est dans l'eau. Donc, il n'y a jamais de choc. Il n'y a jamais. Puis c'est aussi autant pour les gars que pour les filles que tout le monde peut grandir à travers ce sport-là. Puis ça développe aussi toute la forme musculaire, pas seulement les jambes, pas seulement les bras. C'est vraiment tout le corps. Fait que c'est vraiment. Je trouve qu'une activité qui est très polyvalente et très complète pour n'importe quel jeune qui veut faire du sport toute sa vie sans se blesser. Donc, c'est ça qui est vraiment plaisant dans le water polo. C'est le fait qu'on ne peut pas se blesser. On ne peut pas se blesser, c'est vraiment en équipe. On est une grande famille au water polo Laval, puis c'est vraiment là-dessus qu'on met l'emphase pour promouvoir l'activité. Et puis l'organisme, dans le fond, l'organisme Mouvement aquatique Laval offre une panoplie de sports, dont la natation niveau Croix-Rouge, la nage synchronisée, le plongeon, le water polo, la natation de compétition, des cours spécialisés comme aquaforme, des cours de sauvetage. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je me demandais, est-ce que ce sont des cours qui sont offerts à tout le monde, tous les groupes d'âge? Oui. En fait, c'est des cours qui sont offerts pour les plus jeunes. Donc, on commence en étoile de mer avec des enfants qui ont 4 mois avec leurs parents, bien sûr. Et puis, ça va jusqu'à adulte. Les cours d'aquaforme, là, ça peut aller jusqu'à 90 ans. Donc, si vous êtes en forme, si vous avez le goût de bouger. Puis, à quel âge est-ce qu'il est possible de débuter un sport aquatique? Donc, Christine nous a introduit vraiment sur les activités aquatiques au point de vue de la natation, de la technique, que ça, tu commences en très bas âge, voire le préscolaire. Pour ce qui est des activités aquatiques comme la natation, la nage synchronisée, le water polo, ça prend un minimum de technique. Il faut être capable de nager avant de débuter ces activités-là. Donc, vers l'âge de 6 ans, on commence à recevoir les jeunes pour les activités. Par exemple, au water polo, il va y avoir le mini polo et le water polo. Mini polo qui va être de 6 à 12 ans, water polo qui va être de 12 ans et plus. Puis, pour les autres disciplines, ça va vraiment en fonction du niveau de compétition. Mais sinon, c'est vers l'âge de 6 ans qu'on peut commencer à faire des disciplines sportives.
puis dès le tout jeune âge pour la natation spécifiquement. Et puis, vous m'avez parlé tantôt, dans le fond, les enfants peuvent commencer à partir de 4 mois avec leurs parents. Oui. Est-ce qu'il existe plusieurs activités familiales à partir des sports aquatiques? Oui, bien en fait, c'est sûr, on peut suivre les cours de natation, jumeler les heures, donc les parents avec les enfants, puis les enfants qui sont un petit peu plus vieux, on peut suivre le cours à côté. C'est sûr aussi, on peut jumeler avec un cours d'activité, supposons plongeon, qui est tout de suite après. Donc, c'est quelque chose qui se peut, oui. Est-ce que tous ces sports aquatiques sont offerts seulement de niveau compétitif ou monsieur, madame, tout le monde peuvent s'inscrire pour avoir du plaisir puis aller... Bien, étant donné que le mandat du MOS, c'est vraiment de promouvoir toutes les activités, de faire découvrir les activités aux jeunes, ce qu'il va y avoir l'été, ça va être vraiment axé sur le point de vue récréatif, pour que tout le monde puisse découvrir les sports sans qu'il y ait une compétition. Comme ça, tous les niveaux vont être acceptés. Si vous voulez être compétitif, au mois de septembre, vous êtes redirigé vers les différents clubs. Par exemple, natation, il va y avoir natation Laval, synchro Laval, etc. pour tous les clubs. Puis là, il va y avoir la possibilité de s'inscrire pour la compétition, puis de vraiment se spécialiser dans un sport à place de faire vraiment du touche-à-tout. Par exemple, si moi, j'ai envie d'aller prendre des cours de sauvetage, est-ce qu'il existe des critères d'éligibilité pour les gens ou n'importe qui peut débuter ces cours-là? Bien, en fait, pour les cours de sauvetage, il y a 3 cours principaux. C'est le médaille de bronze, le croix de bronze, puis le SN. Il y a le premier soin général qu'il faut faire aussi là, entre le croix de bronze et le SN. Pour la médaille de bronze, c'est 13 ans. Pour le croix de bronze, c'est 14 ans. Pour le SN, c'est 16 ans. Et puis, c'est ça. En gros. C'est bien. Et puis, vous avez amené un petit fascicule. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ici, c'est la programmation. Vous avez la programmation des camps de jour, de Laval, vous avez un petit peu. Et ici aussi, vous avez les programmations de toutes les piscines, en fait, les horaires, qu'est-ce qui se passe dans les piscines. Vous avez ici toutes les piscines à Laval, dans le fond, il y en a 20. Et puis, vous avez la programmation pour les cours de natation, water polo, synchronisé. Et puis, si on veut... dans le fond, ça, c'est l'horaire des... Les cours de natation, water polo, toutes les activités. OK. Donc, à ce moment-ci, la saison, les cours sont déjà pleins. On ne peut pas prendre d'autres inscriptions. Mais vous allez les recevoir au printemps. Les étudiants reçoivent ça à l'école directement. Ils vont recevoir ce cahier-là au printemps pour pouvoir s'inscrire aux activités pour l'été prochain. OK. Donc, les jeunes étudiants, ils donnent le fascicule à leurs parents. Et puis, comment est-ce qu'on procède si on veut s'inscrire? Est-ce que vous avez un site Internet ou à partir du fascicule, on peut remplir un formulaire? On doit aller sur place? Bien, en fait, il y a un formulaire. Vous pouvez vous rendre à votre BML ou sinon, on peut faire par téléphone aussi. Le BML étant le bureau municipal des loisirs de votre quartier. Parfait. Et pour chacune de vos disciplines, c'est quoi les horaires exactement pour les entraînements water polo, les entraînements de natation? Est-ce que c'est très chargé pour les jeunes ou ça va bien? Étant donné que l'été, c'est récréatif, c'est à raison de 2 fois semaine, environ 45 minutes à 1 heure, dépendant des activités, le niveau. Puis ça va être ça pendant 5 semaines au courant de l'été. Puis à la fin de l'été, il va y avoir une grande compétition qui va être les finales aquatiques de Laval, qui va être donné du 10 au 12 août pour ceux qui veulent venir voir les activités puis vraiment voir les différents niveaux de compétition. Ils peuvent venir les regarder. Puis ça va vraiment être un ensemble des activités qui vont être en compétition. Mais pas la natation, ce ne sera pas les cours, ce sera vraiment pour les activités sportives. Okay. Christine, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous et de nous partager toute cette précieuse information. Merci à toi. Bien, parfait, ça m'a fait plaisir, moi aussi. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller vous renseigner concernant la programmation de vos piscines de quartier. À la prochaine! Alors, Catherine, tu nous parles de Toastmasters. Oui, c'est quoi, exactement. Toastmasters, c'est un organisme qui donne des formations aux gens pour les mettre à l'aise de parler devant un public. Et Mme Linda Charbonneau nous en parle davantage. Avec moi en studio, Mme Linda Charbonneau, qui vient nous parler du Toastmaster, les explosifs de Laval. Mme Charbonneau, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien. Alors, pour mettre les gens en contexte, expliquez-nous quels sont les Toastmasters, les explosifs de Laval, qui semblent quand même anglophones à première vue. Oui, c'est que Toastmasters a vu le jour en 1924 à Santa Ana, en Californie. OK. Et c'est un monsieur du nom de Ralph Smedley qui a décidé un jour de mettre sur pied cet organisme. C'est pour ça le nom Toastmasters. C'est tout simplement pour animer un animateur de rencontre. OK. Ça explique le Toastmaster. Okay. Exactement. Quelle est la mission du Toastmaster? La mission de Toastmasters est de faire en sorte que toute personne qui adhère à l'organisation a un désir grand de progresser, de s'impliquer. Donc, la mission est vraiment de faire en sorte que tous les membres progressent
dans leurs habiletés en communication et en leadership. OK. Et qui peut se joindre au Toastmaster? Qui est éligible? Qui est éligible? Toute personne qui a un désir profond d'amélioration et qui est âgée de 18 ans et plus. OK, parfait. Et expliquez-nous quel est le fonctionnement du programme exactement? Ça fonctionne, c'est que nous y allons par des jeux de rôle. C'est des réunions qui durent entre 1 heure et 2 heures, selon si c'est un club qui est corporatif ou communautaire, où nous jouons des jeux de rôle. Okay. Tout simplement, c'est que dans une soirée, nous y retrouvons des présidents, des animateurs, des chronométreurs, parce que le temps, c'est important. OK. Il faut gérer le temps aussi. Oui, il faut gérer le temps. Quand on dit à quelqu'un qui a entre 5 et 7 minutes pour faire un discours, il ne doit pas dépasser les temps pour respecter le temps de tous et chacun. Le okay. temps de parole, évidemment. C'est ce qui fait qu'on apprend à développer nos habiletés en communication okay. et en leadership par les jeux de rôle. Et est-ce que c'est à chaque semaine, ils ont une rencontre ou ça varie au niveau des... Dépendamment des clubs, mais je dirais qu'à 95 % okay. les clubs sont hebdomadaires, des rencontres à toutes les semaines. Il y en a quelques-uns qui sont aux 2 semaines, mais quand on veut apprendre à s'améliorer plus rapidement, une fois par semaine, des fois, c'est même pas assez. Non? Non. Ah oui. Et pour quelle raison est-ce que les gens devraient se joindre à un organisme comme Toastmasters? Toastmasters, c'est la place idéale pour apprendre à agrandir notre zone de confort et apprendre à faire des erreurs où ce que ça ne coûte absolument rien. Okay. C'est que de faire une erreur chez Toastmasters, on ne perd pas notre emploi et on ne perd pas la face. C'est la place idéale pour apprendre à s'améliorer et apprendre à comment bouger, comment parler, quand c'est le temps de faire des pauses. Ça fait que c'est vraiment la place idéale pour apprendre. Et spécifiquement pour les gens qui ont des présentations à faire lors de leur emploi et qu'ils ne savent pas comment se tenir, comment bouger. Chez Toastmasters, on fait tout ça pour apprendre justement à bien s'exprimer. Et ce qui est le fun, ça doit mettre les gens en confiance. Donc, une fois qu'ils sont devant une vraie situation, ils l'ont déjà fait, ils vont beaucoup mieux maîtriser leur speech ou ce qu'ils ont à livrer, finalement. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment la place idéale, puisque lorsque quelqu'un fait un discours entre 5 et 7 minutes, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie qui est évaluative par la suite, où ce okay. que les gens ont une rétroaction immédiate de ce qu'ils viennent faire. Okay. Ce qui fait qu'on fait ressortir toutes les forces que la personne possède déjà et on apporte des points de suggestion, des défis pour la prochaine fois que la personne va prendre la parole, oui. qui fait que la personne peut s'améliorer. Comment peut-il nous aider, le Toastmaster? Toastmaster, ça peut vraiment nous aider, c'est de prendre confiance en soi, d'agrandir, comme je disais tout à l'heure, notre zone de confort. C'est que les gens qui ont une estime de soi un peu plus basse, oui. c'est que nous sommes toujours là pour encourager les gens et c'est toujours fait d'une façon positive. Mm-hmm. Le négatif n'a vraiment pas la place chez Toastmasters. Et c'est que nous touchons à tellement de domaines que les gens finissent par être confortables dans plusieurs domaines. Ce qui fait qu'ils ne font pas que sortir de leur zone de confort, mais ils l'agrandissent aussi. Oui. Quelle est la durée de ce cours? Est-ce qu'il y a un temps limite pour ces formations-là? Non, c'est le temps est selon chaque personne. Si vous avez un désir continuel de vous améliorer et d'agrandir vos connaissances, vous pouvez être un membre pendant 1 an comme vous pouvez être un membre pendant 60 ans. Okay. C'est vraiment la discrétion des gens. Mais en temps normal, une fois qu'on adhère à ce genre d'organisme, on s'attache aux gens, on s'attache aux membres et on a un désir profond de toujours s'améliorer. Puisqu'il n'y a pas de professeur, tout le monde apprend de tout le monde. OK. Avez-vous vu des résultats ou des améliorations significatives dans les gens qui ont complété la formation ou qui sont encore là? Oui, effectivement. J'ai justement un collègue Toastmasters qui, lors d'une de nos rencontres, avait un projet à présenter à des futurs acheteurs. Et la façon qu'il présentait son produit... Ça allait pas très, très bien. Il était nerveux et il ne faisait vraiment pas ça dans l'art des choses. Et
parce qu'il l'avait présenté lors d'une réunion avec toutes les suggestions qui ont été apportées, a réussi à décrocher un bon contrat et il a réussi ce qu'il avait... Il le fait en confiance. En confiance, en toute confiance. Et où peut-on obtenir plus d'informations sur les Toastmasters? Il y a deux sites. Le site du district 61, qui est le www.tmpourtoastmasters61.org, okay. Ou sur le site de Toastmasters International, qui est le www.toastmasters.org. Ce site-là, par contre, est seulement qu'en anglais. Celui du district, qui est le tm61.org, vous l'avez en français et en anglais. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Charbonneau, d'être venue à l'émission. Je trouve que votre projet, votre organisme est une très bonne idée et je trouve ça important d'être capable de bien s'exprimer devant un public. Merci oui, beaucoup. Merci beaucoup. Joues-tu du piano, Sam? Non. Merci. non, parce que tu nous parles d'un pianiste ou d'une pianiste. Oui, Lorraine Desmarais était de passage en studio. Elle a rendez-vous cet été avec le Festival international de jazz de Montréal et incitait à venir inviter tous les Lavallois à y assister et d'ailleurs aussi nous parler de son tout récent album « Couleur de lune » qui est inspiré par les nombreux voyages qu'elle a fait à travers le monde. Inspirée par les nombreux pays qu'elle a visités où elle a joué sa belle musique, Mme Lorraine Desmarais a lancé tout dernièrement son 11e album intitulé « Couleur de lune ». Je m'en allais dire autre chose, « Claire de lune », mais je sais pas pourquoi. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Ça. Comment oui, ça va? Ça va bien, merci. Là, parlez-moi un peu, là, vous avez visité de nombreux pays, puis je vois que certains titres ont une spécification en particulier. Parlez-moi un peu de cet album-là. Oui, c'est un album de voyage. Il y a eu la Chine, alors il y a une pièce qui s'appelle « Zaitien », ça veut dire « Au revoir » en chinois. Okay. Il y a eu aussi « Voyage au Mexique », alors il y a des pièces à influence latine, il y a un peu de tango, influence argentine. Je pense par exemple à la pièce Alberto. Qui est... C'est ça que j'allais demander, Alberto. Est-ce que c'est un personnage qui vous a influencé ou c'est l'Argentine? Vous avez dit oh, Alberto, ça serait... Oui, tout à fait. Alberto, c'est un excellent danseur de tango ici. Alors, tout à fait, oui. Alors, il y a des pièces à saveur latine, un peu comme ça, Couleur de lune, le boléro. Il y a aussi une pièce qui s'appelle L'Argo, qui est un peu en l'honneur d'un club de jazz à Québec qui est très, très renommé. Puis vous avez une qui s'appelle Rose, puis c'est en lien avec l'église Sainte-Rose à Laval. Avoir voyagé tous ces pays-là, tous ces endroits-là merveilleux dans le monde, j'enlève rien à Laval, Sainte-Rose, mais quand ça vient proche de chez nous, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vous a touché de ça? Oui, ça me touche beaucoup parce que, bon, jouer partout un petit peu comme ça dans le monde, on revient chez soi et puis j'étais à peine à 5 minutes de chez moi. C'était très émouvant, quelque part, de jouer pour les gens, nos gens, là, les gens qui habitent ici, le public tout près. Et puis, je trouve aussi que cette église est un monument historique absolument magnifique. Mmh. Alors, elle a sa place sur l'album Rose. Là, vous avez mentionné que vous arrivez tout juste de Québec pour une conférence de presse. Vous allez faire part du Festival de jazz de Québec. Ça, c'est peut-être un des nombreux événements dont vous allez faire part cet été. Parlez-moi de ce qui s'en vient au cours des températures chaudes là, qui s'en viennent au cours de l'été. Oui, je suis très choyée. Dans un premier temps, il va y avoir le 7 juillet, Festival de jazz de Montréal, dans la série Jazz dans la nuit, où Jésus. Okay. Ensuite, ce sera à Québec, notamment au Largo, le 12 juillet. C'est dans le cadre du Festival d'été de Québec. Ensuite, le 28 juillet, encore une fois, au Vieux-Beauport, dans un événement qui s'appelle Jazz Art. Et évidemment, le Festival de jazz de Québec en octobre prochain, ça sera un retour encore à Québec. Et entre-temps, je crois qu'on va avoir quelques concerts au Mexique à la fin du mois d'août. Le Mexique? Oui, voilà. Ouais. C'est des festivals qui sont extérieurs aussi ou c'est dans des salles? C'est des salles, mais généralement, on fait les salles. L'événement extérieur, c'est l'événement Jazz Art. Alors, en général, on peut faire des concerts en salle. Si on reprend votre carrière du début jusqu'à aujourd'hui, là, je sais que le dernier album a été influencé par les nombreux voyages que vous aviez faits. Qu'est-ce qui vous a notamment majoritairement plus inspiré à travers vos albums que vous peut-être retrouvez, qui refait surface et qui donne un peu sa note de musique dans les chansons que vous écrivez?
Ben, j'ai plusieurs projets de front. Tantôt, tout juste avant cet album-là, c'était un album de Big Band. OK. Alors, c'était un ensemble beaucoup plus élargi, 16 mmh. musiciens. Mmh. Il y a eu des collaborations aussi en trio avec des invités comme Tiger Okoshi. Il y a eu des collaborations au Festival de jazz de Montréal avec Chick Corea, notamment. OK. Et puis, pour ce 11e album, je voulais vraiment revenir à cette formule-là intimiste, à ma formule de trio, avec les musiciens avec qui je joue depuis longtemps, Frédéric Allary, contrebasse, Camille Bellil à la batterie. Et au niveau des spectacles, comme vous mentionnez, il y a des spectacles que vous faites en trio. Oui. Et des spectacles que vous faites en grand déploiement. Oui. Est-ce que ça vient des fois... Il y a des spectacles où est-ce que vous faites en trio dans les petites salles, vous vous dites « Ah, ce spectacle-là, il me semble que je le reprendrais, mais à gros déploiement. » Mais en général, les salles de trio, c'est toujours adapté à un trio. Mm-hmm. Je vous dirais, on a fait une salle en trio ici, notamment à Laval, avec l'Orchestre symphonique de Laval. Alors là, ça avait un cachet, disons que c'était la rencontre du jazz avec la musique classique. C'était assez impressionnant, ça aussi. Je dois dire que ça nous plaisait beaucoup de faire une collaboration comme ça avec un grand orchestre. Et est-ce qu'il y a des collaborations que vous avez mentionnées, certains que vous avez eu le plaisir d'avoir jusqu'à présent? Y en a-tu des gens avec qui vous n'avez pas encore collaboré que vous aimeriez, bien sûr, avoir dans les prochains albums, prochains projets? Ouf, il y a beaucoup de gens. Il y a une liste. J'aime beaucoup Maria Schneider. J'aime okay. beaucoup sa musique. Et puis, je sais pas, un duel de Big Band. Je sais ouais. pas. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais je privilégie vraiment la formule de trio. C'est ma formule de base. Et puis, je pense qu'on a... L'improvisation est à son meilleur parce qu'on peut vraiment échanger, avoir un dialogue, avoir des espèces de challenges, des défis entre nous. C'est une formation que j'affectionne beaucoup. Et vos spectacles, est-ce qu'il y a un dialogue que vous avez avec le public généralement où vous passez à travers votre musique? Oui, on essaie de parler avec les gens, de leur expliquer parce que c'est de l'instrumental. Oui. Alors évidemment, des fois, c'est pas comme la chanson, il y a un message direct, on parle aux gens, les gens chantent et c'est comme ça. Ici, ça demeure instrumental, mais j'essaie de toujours avoir une thématique. Comme par exemple un album de Noël, alors okay. une thématique. Là, on avait la couleur de lune, alors la thématique, c'est un album de voyage. Et si vous lisez d'ailleurs la pochette, oui. vous allez voir que chaque pièce, il y a un petit texte qui sied bien avec la pièce. Mais justement, je vais revenir au titre de l'album, Couleur de lune. Pourquoi avoir choisi Couleur de lune pour définir cet album de voyage? La lune est partout au monde. Ouais. Alors, c'est à peu près la seule tangente qu'on aille en Chine, au Mexique, au Brésil, en Europe. Si vous regardez la lune, elle est toujours elle est là. Toujours la même couleur. Et très inspirante aussi. Puis qu'est-ce qui s'en vient au niveau des projets? Y a-t-il des projets à long terme? Là, je sais que l'été, ça s'annonce quand même assez occupé pour vous. Ouais. À long terme, est-ce qu'on a déjà des influences et déjà de l'écriture qui est déjà établie oui. puis qui s'en oui. vient avec un nouvel album? Oui, tout à fait. Je travaille déjà sur un nouvel album. Okay. J'ai déjà du nouveau matériel. J'ai du matériel... Ça sera peut-être un album piano solo en big band. En fait, je vais donner le temps de vivre un peu ouais. à Couleur de lune. J'espère. Et puis ensuite, on va enchaîner avec... un autre album. Alors, Madame Desmarais, les gens qui veulent avoir plus d'informations pour vous suivre ou savoir les rendez-vous que vous avez au courant d'été, vous avez sûrement un site Internet. Oui, j'ai un site web. Il a tout été revampé, là, il est tout nouveau. Alors, ouais. Il y a plein de vidéos aussi, des vidéos promotionnelles, des pièces qui sont issues de l'album Couleur de lune. On peut voir des pièces là-dessus avec le trio. C'est très beau. Alors, le prochain rendez-vous pour vous, c'est au Jésus? Oui, le 7 juillet au Festival international de jazz de Montréal, au Théâtre du Jésus. Excellent. Mais je vous remercie beaucoup d'être passé en studio. C'est moi qui vous remercie. On va y aller. J'attends la caméra. Une initiation dans l'eau, ça fait du bien quand il fait chaud. C'est le cas de le dire. Tous les mots justes pour ouais, exprimer ce merci. Que notre collègue merci. Maxime Légaré est allé expérimenter au centre de la nature. C'était un entraînement très dynamique. Bonjour! Aujourd'hui, on est à la piscine Saint-Vincent pour essayer de faire tester des sports à Maxime. On est au centre de la nature et on va essayer la nage de compétition, on va essayer le plongeon, le water polo, le sauvetage et aussi la nage synchronisée. Donc, Maxime, est-ce que t'es prêt? Oui, avec la chaleur qu'il fait, j'ai hâte de me picher à l'eau. Ah, tant mieux! Viens-t'en! Maintenant, on est rendu à l'atelier water polo où Nicolas va montrer à Maxime comment on fait un but de water polo.
Salut Maxime. Salut. Aujourd'hui, ton atelier, ça va être essentiellement de faire un but de water polo comme dans un match. Okay. Donc moi, je vais te garder un but. Il va falloir que tu essayes de marquer contre moi. Ça a l'air de fun. On peut aller se rejoindre dans la piscine. Parfait. Efficace? All right. On dernier petit shot. Oh! Ah, ben, c'était bien le fun. Merci, Nicolas. Bravo, bravo. On va se revoir à la prochaine étape, là. Maintenant, on est rendu à l'atelier natation de compétition. Et puis, Guillaume va montrer à Maxime comment faire un virage en natation. Alors, Maxime, on va commencer avec la base de natation, c'est-à-dire la coulée ventrale, qu'on appelle aussi le streamline dans le langage natation. Donc, je vais t'aider à rentrer dans l'eau. On va rentrer dans l'eau. On va faire ça. Donc, l'important quand tu fais ta torpille, c'est vraiment d'avoir la position la plus hydrodynamique possible. Donc, tu peux te pratiquer juste à placer tes bras en arrière de ta tête. Vraiment, là, aller porter le plus solide possible. Comme ça, tu vas être le plus hydrodynamique possible. Tu vas aller le plus loin, le plus rapidement. Donc, on va faire un exemple. Tu vas pouvoir l'essayer après. Je vais pouvoir te regarder aussi, OK? Ah, il est parfait. Juste la poussée du mur, pas besoin de kicker rien. OK. OK, fait que dans le fond, juste les bras le plus solide possible en arrière de la tête, tu pousses le plus loin possible en dessous de l'eau. OK, je vais essayer. Focus. C'est excellent. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en faire une deuxième. Donc, okay. On va rajouter des kicks, on appelle ça les kicks papillons. OK. Donc, avec tes deux jambes en même temps, tu vas faire le mouvement avec tes deux jambes en même temps, comme un dauphin. OK. Ça, on va se rendre vraiment plus loin, vraiment rapidement. OK, parfait. Donc, vas-y, va au mur, puis tu peux le faire. C'est là. C'est super bon, super bon, super efficace. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pratiquer ce qu'on appelle le virage. Donc, le virage, ce que ça fait, c'est quand tu nages, tu arrives au mur, à place de toucher le mur puis de repartir. Tu fais une culbute, c'est plus efficace, c'est plus rapide. Ah, donc, juste pour pratiquer, on va faire un petit challenge, toi et moi. Celui qui fait le plus de culbute sur place sans arrêt par en avant. Ah, c'est pas super, je suis pas fait là-dedans. C'est bon, on va faire un petit challenge. OK. En 3, 2, 1, go! Ah, la tête, elle tourne un petit peu. Dans le fond, ça ressemble à ça. Quand tu arrives au mur, avec ton dernier coup de bras au crâne que tu vas faire, tu vas juste rentrer, faire une culbute, puis tes deux jambes vont arriver au mur, puis tu as juste à pousser, puis à faire la coulée qu'on a. La coulée qu'on a faite juste avant. OK. Alors, je vais faire un exemple, tu vas pouvoir le faire après. OK, parfait. Vraiment très simple, petite culbute, puis tu pousses avec tes jambes. OK, merci. Excellent, c'est super bon, Maxime. Ah, oh, merci. Maintenant rendu capable à la base de la natation de compétition. Good. Station. Merci. Maintenant, on est rendu à l'atelier sauvetage où Jessica va montrer à Maxime comment sauver quelqu'un en restant au sec. Donc, bonjour Maxime. Bonjour. Pour sauver quelqu'un en restant au sec, on prend la bouée, on met le pied sur la corde, l'autre pied, on l'accroche en avant comme ça. OK. On lâche la corde et on lance la bouée à la personne très près, mais pas dessus. Ah, je vais essayer. Et tu peux le tirer pour le ramener. Oui! Ah, quelle bonne prise! Merci beaucoup pour le sauvetage, sans se noyer en plus. On va passer à la prochaine étape. Merci! Maintenant, on est à l'atelier de nage synchronisé où Camille va montrer à Maxime comment faire ressortir son côté féminin. OK, on va commencer. Je vais juste apprendre une petite routine. Okay. On va aller dans l'eau puis on va faire ça. OK, parfait. OK,
OK, fait que pour la chorégraphie, tu vas partir, tu vas me faire un bras, la main en fleur, avec un beau sourire. Tu vas te coucher sur le côté, sur le dos ensuite. Tu plies tes jambes pour aller en cuve avec les genoux et les pieds à la surface. Ensuite, tu montes une jambe en balai. OK. Vas-y. Je vais essayer ça. Alors, je fais la main, le beau sourire. Je mélange la cuve. Super bon, t'as fait de la plaie. Ah, ben merci Camille pour ce merveilleux cours de natation synchronisée. De rien. On va penser. Tu vas t'inscrire un jour? Oui, je vais y penser. Maintenant, on est rendu à l'atelier plongeon, le dernier et non le moindre. Emmanuel va montrer à Maxime comment faire une chute avant. Salut Maxime. Salut. Fait que là, on va apprendre à faire la chute avant. Ouais. Primordial, faut que je te montre comment prendre tes mains pour rentrer dans l'eau. OK. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre les deux mains en avant, comme ça. Ici, faire n'importe quelle main. Ah, OK. L'autre main, tu vas comme aller la manger. Ah, OK. Mais faut que tu plies... Ouais, mais faut que tu plies tes doigts. OK. Faut vraiment que ça soit à plat. OK. Puis une fois comme ça, tu mets tes bras aux oreilles. Faut jamais que tes bras bougent de là quand tu vas plonger. C'est bon. C'est bon? Fait que là, je vais te faire une démonstration de qu'est-ce que tu vas faire. OK. Ça fait déjà peur. Donc, tu vas te placer les orteils au bout. Tu vas te pencher en avant. Okay. Vendre tes mains comme je t'ai montré. Bras aux oreilles. Puis tu te laisses tomber dans l'eau. Okay. Ça donne ça. Les orteils au bout. Je colle les jambes. Je colle les jambes, je me mange la main. Penche-toi vers l'avant. C'est ça. Ah, ben merci. Ça fait plaisir. Puis Maxime, est-ce que tu as aimé ton expérience d'aquatique? Oui, j'ai très bien aimé toutes les activités au complet. C'est vraiment le fun. Beaucoup de plaisir. Ah ben tant mieux, on te remercie beaucoup d'être passé à la piscine Saint-Vincent aujourd'hui. Puis je remercie à tous nos spécialistes aussi d'avoir fait, de s'être prêté à cette expérience. Donc merci beaucoup! De plus en plus de Lavallois et de Lavalloises achètent leurs produits alimentaires ici même dans la région, Catherine. Oui! Pourquoi acheter local? Pourquoi supporter le monde agroalimentaire lavallois? Eh bien, Mme Julie Lompré nous explique le tout et nous présente les saveurs de Laval. J'ai avec moi en studio Mme Julie Lompré, coordonnatrice de Saveurs de Laval. Mme Lompré, comment allez-vous? Ça va super bien, et vous? Très bien. Alors, commencez par nous expliquer qu'est-ce que Saveurs de Laval? En fait, Saveurs de Laval, c'est une initiative de la table de concertation agroalimentaire de Laval. Dans le fond, nous, on représente un peu les entreprises agroalimentaires, tous les producteurs agricoles, tous les transformateurs de la région. Puis, en fait, on les aide dans leur promotion pour les faire connaître auprès des consommateurs lavallois. Là. Okay. C'est principalement... ce qu'est Saveur de Laval. Okay. Ça existe depuis 2007. Donc, OK. Et où est-ce que les gens peuvent trouver les entreprises agroalimentaires de la région? En fait, les gens peuvent trouver leurs coordonnées d'entreprise, soit dans le dépliant promotionnel qu'on a ici. Là, okay. Ce dépliant-là a été distribué au niveau de la région de Laval dans 100 000 ménages lavallois. Donc, okay. Au niveau de Poste Canada, donc vraiment dans leur boîte aux lettres, non pas dans un encartage. Donc, les gens, on a eu plusieurs commentaires positifs à ce niveau-là. Là. Ils étaient vraiment contents de recevoir ce dépliant-là. Puis, ils peuvent aussi aller faire une recherche sur Internet, sur le site Internet www.saveurdelaval.com. Okay. Dans ce site Internet, là, on peut retrouver trois moteurs de recherche, soit par produit, par service et par région. Puis on peut faire une combinaison aussi de ces recherches-là. Donc, si vous cherchez, par exemple, des tomates dans la région de Fabreville, bien, ça serait possible de le faire. Donc, vous pourriez en trouver précisément. Tout va être là. Okay. Ouais, exactement. Puis, si vous voulez faire de l'autocueillette aussi, là, c'est l'endroit pour trouver exactement tous les types d'autocueillettes, parce qu'il y a beaucoup d'autocueillettes dans la région. On peut faire des autocueillettes d'oignons, d'aubergines, pas juste des fraises et des framboises, comme tout le monde croit habituellement. Tout le monde sait. Ouais.
Exact. Et pourquoi est-ce que les gens devraient se déplacer pour acheter leurs produits agroalimentaires directement chez l'entreprise? En fait, les produits, c'est qu'ils sont cueillis habituellement la journée même. Donc, c'est vraiment super frais. Super frais. Là. C'est, okay. c'est rien de plus frais que ça. Okay. Donc, c'est vraiment sur l'entreprise même où le produit a été cueilli la journée même. Vous pouvez aussi le cueillir vous-même la plupart du temps. Ou justement aussi, ça serait de rencontrer le producteur qui est souvent sur place. Puis c'est des gens qui connaissent vraiment les produits, donc ils peuvent vous aider à découvrir des nouveaux produits sur le marché. Ils pourraient vous aider aussi à trouver des recettes pour vos produits, là, pour faire découvrir justement les produits qui sont plus ou moins connus. Là. Donc, c'est le fun. C'est super le fun. Ouais. Le contact, c'est pas comme en épicerie, là. C'est vraiment un contact humain. Donc les gens, ils parlent avec les gens, puis c'est pas un contact froid, là. C'est vraiment un contact... Ouais. Convivial, comme on pourrait puis dire. On a le goût d'y retourner. Exactement. Ouais. Exactement. Et si on parlait maintenant du dépliant, comment est-ce que ça fonctionne? Vous mettez quoi exactement dans le dépliant? Et ça, dans le fond, le dépliant, là, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'on peut retrouver un calendrier des produits. Donc, okay. par exemple, si absolument les gens savent quand sont les fraises, quand sont les framboises, mais à l'intérieur de ce dépliant-là, on peut aussi trouver quand les asperges sont... sont fraîches, c'est quand qu'on peut aller les chercher. Quand ils sont okay. au Québec, ils apparaissent sur le marché. Dans le fond, la citrouille, bien, ici, on voit qu'au mois de septembre, la citrouille apparaît sur le marché. Donc, dans le fond, on pourrait aller cueillir okay. des citrouilles du Québec au mois de septembre. Donc, on a un petit calendrier ici. Donc, ils sont accessibles même avant le mois d'octobre parce qu'on sait oui, que les exactement, citrouilles, exactement. C'est les courges, là, ça peut être avant aussi. Puis, dans le fond, tous les produits qui sont dans la région de Laval, la plupart des produits de la région de Laval sont dans ce dépliant-là. On a aussi, on peut retrouver une carte avec les entreprises dans la région. Okay. Donc, on peut les situer par les petits points ici, là, toutes les entreprises. Agroalimentaire. Toujours les transformateurs, les producteurs agricoles, les maraîchers, ça peut être aussi des fleurs. Là, on a beaucoup de producteurs de fleurs à la région. Ah ouais? grande, grosse région de fleurs. Là. On est la première région au Québec en termes de superficie pour les fleurs annuelles cultivées. Donc, on est quand même si on est une petite région agricole, on est quand même beaucoup de choix, 7000 hectares en production agricole. Là. C'est quand wow. même beaucoup. C'est énorme. Puis, c'est ça. Dans le fond, au niveau des entreprises, on peut trouver l'adresse des entreprises, le numéro de téléphone, leur site Internet à eux, puis leurs produits. Puis, je vois qu'on a des petites images dans le bas, ça indique le produit qu'ils oui, ont. Oui, exactement. Donc ici, on a une petite fleur. Donc la fleur représente les fleurs annuelles. On a la légende qui est ici, là, qui explique aux gens exactement ce qu'est le produit et relié à quoi. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Là, on voit un petit panier. Le petit panier représente quoi? Des légumes, quoi? Des fruits. Donc, non, c'est donc ça. La petite légende, elle nous aide. Puis, c'est quand même super bien fait. Oui. Là. Puis on a aussi des entreprises vedettes là, avec une petite publicité au niveau des entreprises. Okay. Là, puis on voit vraiment les producteurs qui sont là. Donc on voit qu'ils sont... On voit les gens, là, ça... C'est agréable. C'est agréable. Donc, ouais. on voit que ça... c'est agréable d'aller chez eux. Alors, c'est super le fun. Et le dépliant, on peut aussi l'avoir sur Internet, j'imagine? Oui, le dépliant ouais. est sur le site Internet de Saveurs de Laval. Mais comme je vous dis, là, si vous allez sur le site Internet de Saveurs de Laval, vous allez trouver toutes les mêmes informations, même de plus facilement qu'au niveau du dépliant. Le dépliant. Et comment les gens peuvent savoir si le produit est disponible en ce moment, à l'instant? Je sais que vous avez un petit... Bien, en fait, dans le dépliant promotionnel, il y a les calendriers des produits. Puis okay. au niveau du site Internet aussi, le dépliant... Le calendrier, il est sur le site Internet. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment tout. Consulter. Exactement. Et c'est quoi les différentes activités que vous organisez avec Saveurs de Laval? Cette année, Saveurs de Laval est un peu en restructuration. Donc, on participe plutôt à des activités qui sont déjà en place, comme par exemple les Fêtes gourmandes internationales du 25 au 29 juillet, qui vont être à côté du métro Montmorency, là, qui ne seront pas très loin. Donc, c'est une grosse foire gourmande. Puis nous, on va avoir un carrefour aux Saveurs de Laval. Donc, il va y avoir... quelques petites entreprises là, qui vont être sur place, qui vont nous représenter, qu'on représente Saveurs de Laval. Donc, pour faire encore la promotion de Saveurs de Laval, mais pour faire la promotion de leur entreprise. Donc, vous pourriez vous présenter aux Fêtes gourmandes internationales de Laval, puis aller visiter les entreprises de la région. Je sais qu'il va y avoir notamment le château Taillefer-Lafond, okay. il va y avoir les Fèves Ouvreurs d'Héritage, donc plus des transformateurs que des producteurs agroalimentaires. Là, mais donc, ça... Il y a beaucoup de choix. Exactement. Puis aussi, on va créer un marché de Noël, mais ça, c'est une activité qui est vraiment en développement pour l'instant. Là. Donc, je ne peux pas vous dire où il va être situé encore, mais c'est une activité qui va avoir lieu cette année. Là. C'est une grande nouveauté dans la région. C'est le fun. Puis il y a de plusieurs activités là, qui vont venir pour l'année prochaine. Et combien d'entreprises agroalimentaires est-ce qu'il y a dans la région? Si on regarde au niveau du dépliant, ça, c'est des entreprises qui sont ouvertes au public, donc vous pouvez visiter. Okay. Il y a 50 entreprises environ là, dans le dépliant promotionnel. Mais si on regarde dans Juste dans la région? Juste dans la région. Wow. Mais ça, c'est dans le dépliant, ça veut dire que ça, c'est les entreprises qui
sont ouvertes au public, que vous pouvez aller consulter, que pas consulter, mais aller vous approvisionner en produits, okay. Exactement. Vous allez pouvoir rencontrer les producteurs. Mais si on regarde plus ceux qui ne vendent pas nécessairement au public, là, on a 150 entreprises agroalimentaires, là, autant des producteurs que des transformateurs. Mais c'est sûr qu'on a un petit peu plus de producteurs agricoles, là, mais des transformateurs, on en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour obtenir plus d'informations, où peut-on en trouver? Toujours dans le dépliant promotionnel que vous pouvez vous procurer. En fait, on a dans le réseau de distribution Lavalois, donc dans des espèces de présentoirs. Là, okay. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut le retrouver. Sinon, il y a le site internet www.saveurdelaval.com là, qu'on peut retrouver toute l'information disponible pour vous approvisionner localement. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Bien, merci à toi. Dans le cadre du Mondial Loto-Québec de Laval, plusieurs artistes sont venus ici même dans la région pour donner des spectacles. C'est exact. L'équipe de TVRL a le privilège de faire partie de la soirée du coup d'envoi des festivités du Mondial Loto-Québec Laval. Et on y voit notamment Grégory Charles, le groupe Manitou derrière ce gros événement. Et on a eu aussi le plaisir de prendre quelques images du tout premier spectacle au Centre de la nature de Sarah McLachlan. Wow! Le 15 juin dernier, et pour donner le coup d'envoi du mondial, nous avons assisté au premier concert intitulé Concert Prestige, Requiem de Pizzetti, Mater Orafilium et autres. En effet, le chœur de chambre du Mondial Loto-Québec de Laval a interprété ce Requiem de Pizzetti qui a été divinement dirigé par Andrew Gray. Ce concert avait lieu à l'église Sainte-Rose de Lima et a bien donné le ton du mondial. Toute l'assistance a aimé cette prestation. Puis, nous nous sommes déplacés au spectacle de Sarah McLachlan Symphonique, donné à ciel ouvert le samedi 23 juin au Centre de la nature. C'est à l'auteur-compositrice-interprète Annie DiFranco que Sarah McLachlan a confié la première partie de ce concert symphonique en plein air. La musicienne américaine, reconnue pour sa fibre féministe et son folk engagé, a joué pendant presque 45 minutes sur la grande scène du Centre de la nature. Uniquement accompagnée de ses innombrables guitares acoustiques, chaque chanson était associée à un instrument particulier, l'ami de Sarah McLachlan a offert une prestation solo impressionnante. C'est avec son immense succès Building a Mystery que Sarah McLachlan a amorcé le grand spectacle au Centre de la nature de Laval, le deuxième d'une série qui l'amènera à se produire aux États-Unis au cours des prochaines semaines. L'artiste, toujours aussi généreuse et sincère, était tout en voix en cette veille de la fête nationale. Entourée de l'Orchestre symphonique de Laval et du chef Sean O'Loughlin, elle a interprété des pièces comme « I Will Remember You »,« You Want Me To »,« Answer » et la pimpante « Loving You Is Easy », l'une des réussites de la soirée. Avec sa voix qui fait rêver, ses commentaires sincères et parfois drôles, son sourire charmeur et son expérience qui fait d'elle une artiste plus que solide sur scène, Sarah McLachlan a offert un concert réconfortant et touchant. L'orchestre symphonique a su donner l'équilibre entre le son des instruments traditionnels, guitare, clavier, piano et batterie, à celui de l'orchestre. Lors de l'interprétation des pièces Fallen, Hold On et World on Fire, par exemple, l'harmonie entre les deux mondes était parfaite. Et à l'autre bout de la ville, lors de la même soirée du spectacle de Sarah McLachlan, il y avait un hommage à Jerry Boulet et c'est Martin Deschamps qui donne le spectacle à la salle André Mathieu. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vos applaudissements parce que je vais maintenant vous présenter la vérité spéciale pour le Jerry Boulet ce soir. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Martin Deschamps. Le même soir, Martin Deschamps, avec tout le rock qu'on lui connaît, était à la salle André Mathieu et chantait les plus grands succès de Jerry. Le public a pu entendre Deux autres bières, Aïe aïe et Toujours vivant. Martin Deschamps affirme que Jerry a été l'un des plus grands rockers du Québec, sinon le plus grand, et qu'il a toujours chanté sa musique et celle d'Offenbach. Grégory Charles, le président et directeur artistique du Mondial Loto-Québec de Laval 2012, précise qu'avec son groupe, ils ont sélectionné Martin, qui était un choix évident pour rendre hommage à Jerry Boulet. Si
Parker sont peut-être moins populaires aujourd'hui, mais ils ont été ceux qui ont ouvert les portes pour les autres par leur prestance et leur audace. Il ne faut pas se taire et continuer à hurler. Catherine, pour ta dernière nouvelle d'actualité, tu nous parles de quoi? Oui, je vous parle de la Centrale des artistes qui a d'ailleurs eu une très belle année 2012. Alors, j'ai rencontré la directrice générale, Mme Patricia Lepreneau. Je vous présente Mme Patricia Lepreneau. Bonjour, comment Bonjour. Allez-vous? Bien, merci. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la Centrale des artistes. Qu'est-ce que c'est la Centrale des artistes? Alors, la Centrale des artistes, c'est un centre de services pour artistes professionnels en début de carrière, multidisciplinaire. On est adressé pour les 18-35 ans qui désirent partir leur entreprise, leur carrière, qui ont besoin d'un coup de pouce, faire un peu d'intermédiaire entre leur sortie de l'école et leur entrée sur le marché professionnel. Et on donne des services diversifiés tels que de la diffusion, de l'accompagnement de carrière, du référencement d'artistes et de la formation. Depuis cette année, on a un programme officiel de formation qui sont dirigés pour les travailleurs culturels les artistes professionnels en début de carrière et pour tous les okay. artistes aussi de Laval et les gestionnaires d'organismes diversifiés. C'est encourageant pour eux d'avoir du support, du soutien aussi au début? Tout à fait. Il n'y avait pas d'autres organismes à Laval qui faisaient ce mandat-là. Alors, on est venu combler le besoin et ça fonctionne très bien. Et les entreprises qui désirent engager de la relève peuvent nous appeler pour leur soirée, cocktail, souper de Noël, etc. Et on les met en relation avec ces gens-là, autant corporatifs que des organismes privés. Parfait. Et depuis sa fondation, la Centrale des artistes en 2007, elle s'est démarquée en organisant plusieurs événements, dont le Parc des Prairies. Vous donnez aussi des formations pour les artistes, le concours Diapason, et j'en passe. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre nomination au concours Dynamis 2012. Merci. Dans la catégorie cadre entrepreneur ou professionnel de moins de 35 ans. Félicitations. C'est gentil. Et également le Festival musical indépendant Diapason dans la catégorie Grand Prix du tourisme québécois. Vous avez été les lauréats. Félicitations. Vous devez être fière quand même. Très fière. Une belle reconnaissance pour nous et toute l'équipe et les bénévoles qui travaillent à l'année sur le projet. C'est très encourageant. Oui. Puis des très belles retombées. Oui. Et il s'agit de très belles reconnaissances. Alors, parlez-nous des retombées depuis le 18 avril de ce concours. Bien, en réalité, ça nous a permis d'être visibles auprès d'entreprises qui ne nous connaissaient pas nécessairement dès le départ et permet d'avoir une certaine curiosité sur ce qu'on fait à l'année, justement. Ça nous permet d'aller chercher des nouveaux partenaires et de renforcer justement ceux qui nous soutiennent depuis le début et de leur montrer la crédibilité que l'événement a pris depuis les 5 dernières années. On est à notre 5e anniversaire. Wow. Alors, ça vient confirmer beaucoup de choses et c'est une belle reconnaissance pour toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied à l'année sur ce beau projet. Oui. Et parlez-nous de la programmation estivale de la Centrale des artistes. Beaucoup de projets cet été. Oui. Alors, on a été, pour la 2e année consécutive, le Centropolis a fait affaire à nous pour engager de la relève. C'est important de souligner que c'est une entreprise privée qui finance à 100% la scène qui est située au Centropolis à la place centrale. Et ils ont décidé de faire encore une fois une programmation estivale avec des artistes de la relève d'ici et d'ailleurs pour donner okay. accessibilité à Laval, une place de diffusion de choix. Alors, tous les vendredis soirs, à compter de 21h, c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre sur la place centrale du Centropolis du 6 juillet au 31 août. Okay. 21h tous les vendredis soirs de l'été. Et ils ont ajouté à leur programmation les samedis du 14 juillet au 25 août. Il va y avoir des soirées DJ de 22h à minuit, également à la place centrale. Alors, venez prendre un verre en même temps que vous puissiez entendre la bonne un musique. Un petit cocktail, c'est agréable. Exactement. Alors, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on revient avec le Parc des Prairies pour une 5e année consécutive. Encore une fois, des artistes de la relève de la région que la Ville de Laval désire mettre en avant-plan. Et ce sera cette fois-ci du 8 juillet au 29 juillet. Alors, vous aurez la chance de voir Vanupier, Chloé Maillard, le quatuor vocal Vox A4 et Maz tous les dimanches à 19h du mois de juillet. Alors, c'est important. Pique-niquer, venir faire du sport, la route verte, vous pouvez vous arrêter, puis profiter d'un moment d'une heure en compagnie d'artistes de la relève encore une fois. Et tout l'été, on va se déplacer dans différentes manifestations culturelles, soit le parvis de l'église Sainte-Rose, qui est une nouveauté, les dimanches matins, certains dimanches du mois de juillet et du mois d'août, à compter de midi, à la sortie de l'église. Okay. Vous allez pouvoir profiter encore une fois de découvrir des artistes qui vont faire revivre les classiques chansons françaises et des hommages à des artistes bien connus de chez nous. Et d'autres manifestations, comme je vous dis, vous pouvez juste aller consulter notre site Internet. Ouais. Et maintenant, pour vos projets à l'automne, je sais que vous avez le Festival musical indépendant Diapason.
Oui, on revient en force. Alors, 5 ans, on va se péter ça en grand. Ça va avoir lieu du 25 octobre au 3 novembre. On est sur 2 semaines cette année. Alors, plus de spectacles, encore une fois. Puis une autre nouveauté, on va être, oui, à Laval, parce qu'on est d'ici. Mais on a décidé d'aller rejoindre nos collègues de la Rive-Nord, Laurentides et Lanaudière. Alors, on va présenter des spectacles sur 3 territoires, sur 2 fois plus de temps. Alors, plein de surprises, des gros noms. On peut pas les dévoiler? On a déjà un nom de sortie qui est Lisa Leblanc et les Sœurs Boulay qui seront notre programmation. Maintenez-vous au courant, le 25 septembre, c'est le lancement de programmation officielle pour tous nos festivals. OK, parfait. Et c'est où qu'on peut obtenir plus d'informations sur la Centrale des artistes? www.lacentraledesartistes.com et pour le festival, www.festivaldiapason.com. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission et on a super hâte d'aller à tous ces événements et tous ces concerts. Merci beaucoup. Merci. Les nouvelles sportives avec Sarah. Eh oui, la seule et l'unique. Alors, cette semaine, je vous parle de 2 athlètes de Laval, 2 talentueux, une un petit peu plus jeune et une un petit peu plus vieille. Tout d'abord, Joël Numainville et Sarah Maloum. Mais je vous parle tout d'abord de Sarah. Sarah, mon Dieu. Oui, j'ai été interpellée par son nom. Alors, je me suis dit, il faut que je parle d'elle. Non. Sarah, dans le fond, c'est une jeune athlète de judo. Elle a 10 ans et elle vient de Pont-Viau. Elle fait du judo pour le club Judo Ben de Laval. Pourquoi je vous parle d'elle? Eh bien, c'est qu'elle a beaucoup de talent. Elle a participé lors de sa première participation au championnat provincial de la catégorie des moins de 13 ans et moins de 32 kilos à Alma. Elle a remporté tous ses combats. Alors, c'est une championne, mini-championne du monde ici. Exactement. Qu'on est ici à Laval. Une mini-championne. Elle a remporté tous ses combats, mais par ippon. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est lorsqu'un adversaire tombe sur le dos avec force, vitesse et contrôle ou lors d'une immobilisation de 25 secondes au sol. Donc, cette petite fille, elle est immobilisée. Bref, rien de compliqué, Ça se fait bien. Alors, elle a remporté l'or en remportant les 3 duels qu'elle a fait contre des adversaires. Ensuite, elle a gagné l'or lors du tournoi Espoir de Montagne, lors du tournoi de Blainville, lors du tournoi Zone 8 de Laval, lors de la Coupe de Montréal et la Coupe Gadebois. Elle n'a perdu aucun combat en 2011-2012. C'est sûr et certain qu'on va la suivre pour plus tard. Et en plus, elle dit qu'elle veut aller aux Jeux olympiques un peu plus tard. Alors, on lui souhaite toutes les chances du monde, sa réussite. Ouais, on la suit de près. Puis si jamais elle remporte une médaille d'or, on l'invitera ici aussi. On va l'inviter. C'est qu'elle vient de là-bas. Ah oui. Je poursuis mes nouvelles sportives avec Joëlle Numainville. Elle, c'est une cycliste lavalloise de 24 ans. Le 21 juin dernier, Cyclisme Canada et le Comité olympique canadien ont annoncé qu'elle allait participer aux prochains Jeux olympiques de Londres. Wow. Et elle vient de Laval. Moi, je priorise, j'adore ça quand ils viennent de Laval. Ils s'en vont aux Jeux olympiques. Elle a confié à Courrier Laval qu'elle est motivée à s'entraîner fort dans l'espoir de monter sur le podium. Ouais. Bien, félicitations à elle. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes lavallois qui participent à des compétitions pour pouvoir justement se qualifier aux Jeux olympiques qui s'en viennent très bientôt à Londres. Et ils sont très talentueux, nos athlètes à Laval. Absolument. Je poursuis. Ce sera sa première participation aux Jeux olympiques. Elle a débuté sa carrière en vélo pour le club Espoir de Laval à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, elle est déjà considérée comme étant la meilleure sprinteuse sur route au Canada. Wow. Ensuite, elle va compléter l'équipe canadienne formée de Clara Hughes, Denise Ramsden. Ce sont 2 filles provenant des territoires du Nord-Ouest et leur objectif, c'est de ramener une médaille pour le pays. Et Clara Hughes, d'ailleurs, qui a eu déjà une carrière... une carrière assez exceptionnelle. En patinage de vitesse, elle a gagné plusieurs médailles d'or aux Jeux olympiques. Oui. Alors, c'est une grosse athlète. Ça va être une mentor pour notre cher Joël. Ensuite, elle est montée sur le podium. Elle a connu une excellente saison. Elle a monté sur le podium pour la première fois de sa carrière à la Coupe du monde du cyclisme sur route le 1er avril dernier au Tour de Flandre. Flandre, c'est ça? Et elle a remporté la médaille de bronze. Elle a eu une très belle saison et je souhaite l'encourager pour son passage aux Jeux olympiques. Ben, on l'encourage aussi et on la suit de près, ça c'est sûr. Oui, on va la suivre de très près. Sam, tu nous parles d'un événement très important qui s'est passé un petit peu partout au Québec. Exactement. Après le grand événement Pierre Lavoie, on invite les cyclistes à embarquer sur leur vélo pour une fois, cette fois-ci pour le Tour CIBC Charles Bruno qui vient en aide à la Fondation de Centre de cancérosie Charles Bruno et ma collègue Catherine ici. Oui. A rencontré Jean-Roux dans le studio. Oui, j'ai eu cette chance de le rencontrer. Bon, c'est bon, on va aller voir l'entrevue. À
avec moi en studio Jean Houde, membre du conseil d'administration de la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, le 5 et 6 juillet prochain, vous participerez au Tour CIBC Charles Bruno, l'événement cycliste de la Fondation de Centre de cancérologie Charles Bruno. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer? C'est la maladie de ma petite fille. J'ai 6 enfants. 6 enfants. Donc, ma plus jeune, ma dernière, à l'âge de 13 mois, elle a une leucémie myéloïde aiguë. 13 mois, oui. Puis, grâce à la Fondation qui subventionne beaucoup la recherche dans le domaine oncologique et de l'hôpital Saint-Justine, ma petite fille aujourd'hui est en rémission et est très, très bien. Ouais. Donc, pour redonner un petit peu à la société et à la Fondation, j'ai décidé de m'impliquer au sein de la Fondation Charles Bruno. Et vous avez fait également d'autres... d'autres voyages avec la Fondation? Oui. Chaque année, pour ramasser des sous, la première année, on a fait le Kilimanjaro. Deuxième année, on a fait le camp de base de l'Everest. Wow. Troisième année, on a fait Machu Picchu. Puis je suis arrivé samedi de la muraille de Chine. On a fait 80 km d'escalier sous la muraille. C'est incroyable. Dans le but de ramasser des sous pour les enfants. Et comment se porte votre jeune fille Annie? Ma petite fille Annie se porte à merveille. Elle est très, très chanceuse là, parce que la leucémie qu'elle avait, c'était très, très, très grave, très, très virulente. Donc, très sévère. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir une greffe de moelle. Puis, étant donné que j'avais 5 autres enfants, j'étais bien chanceux, j'en avais 2 de compatibles. Ils ont pris Martin, qui était notre plus vieux à ce moment-là, il avait 5 ans. Puis, il lui a greffé la moelle osseuse, qui lui a permis de survivre, de réussir, oui. Et ça doit faire quand même chaud au cœur de voir que vos enfants s'impliquent également avec vous. Oui, je suis bien heureux. Ils vont peut-être m'aider, ils vont peut-être me pousser parce que je ne suis pas un grand, grand sportif. Là. Mais ça a commencé par Amélie, ma plus vieille, la plus vieille de mes filles. J'ai 2 filles, 4 garçons, qui avaient décidé de s'impliquer l'an passé. On a fait le tour CIBC. Puis cette année, mon garçon se joint aussi à nous, Benjamin. Oui. Et combien de kilomètres est-ce que vous parcourez dans cette... On va faire environ 400 kilomètres. On va faire... C'est énorme. Québec, Drummondville, Montréal. Tout ça en vélo en... Oui, en 2 jours. En 2 jours. Oui. Wow. Et c'est ça, donc le trajet, c'est vous... C'est quoi exactement? On part de Québec. On va passer par Drummondville et Montréal. Mais il y en a qui font 4 jours, donc Pierre Bruno. Lui, c'est un grand sportif. Lui, il part de Chicoutimi. Eux, c'est beaucoup, beaucoup de kilométrage. On est un petit groupe qui travaille très fort pendant 4 jours pour se rendre à Montréal. Et quel est l'objectif financier de cette 17e édition? Cette année, M. Sylvain Vinet, qui est la personne de la CIBC, qui parraine le projet, qui travaille très fort, a comme objectif cette année de ramasser 2 millions. Wow. Et je suis convaincu qu'il va y arriver parce qu'il met tellement d'efforts. Oui. Il y a des bonnes chances qu'on y arrive. Et de quelle façon est-ce que la population peut vous encourager dans cette course? Bien, la meilleure façon, c'est directement d'aller sur le site Internet qui est www.charlesbruno.qc.ca. Parfait. Donc, si les gens veulent aussi avoir plus d'informations, ils peuvent consulter ce site Internet. Sur le site, oui. Parfait. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça me fait bien plaisir. Et on vous souhaite bonne chance pour votre compétition. Merci. C'est presque la fin de notre émission. C'est-tu triste, hein? Oui. Non. qu'est-ce qui a marqué le plus votre attention cette semaine? Moi, c'était les Toastmasters. Je ne connaissais vraiment pas cet organisme-là. Et je trouve ça important que les gens savent comment bien communiquer avec un public. Ouais. Et nous aussi, d'ailleurs. Toastmasters. J'ai besoin de cours, moi. Oui, ouais, on a ça. Toi, Sam. Mais il y a les nombreux événements qui commencent à inviter les gens non seulement à marcher, mais à pédaler, comme l'événement Charles Bruno. Il y en a de plus en plus et c'est intéressant pour la région, effectivement. Toi, Sarah? Moi, écoute, je suis dans le sport à fond. Je commence à découvrir plusieurs nouveaux athlètes qui s'en vont aux Jeux olympiques et qui viennent de Laval. Alors, ça m'impressionne. Puis à force d'en faire, toi, avec, chaque semaine, tu deviens de plus en plus imposante physiquement. Il faut dire que c'est pas difficile à battre, par rapport à moi, mais t'es très bonne. Bien, merci. Bien, merci à vous aussi à la maison. Merci à vous. Et je vous redonne un rendez-vous la semaine prochaine.
vous rappelle que vous pouvez répondre à notre question de la semaine. Quelle est votre chanson d'été? Pour ce faire, vous devez aller sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dans quelques instants, Laval en rafale suit avec Anne-Marie Kirouac. À la prochaine. Bye bye. Bienvenue à Laval en rafale, ici Anne-Marie Kirouac. La semaine dernière, on soulignait le 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille Îles. Pour nous en parler, Madame Awatef Krikou. Bonjour, mon nom est Awatef Krikou et nous nous retrouvons aujourd'hui à Sainte-Rose, plus précisément au parc de la rivière des Mille Îles. Et aujourd'hui est une journée spéciale puisque le parc fête son 25e anniversaire. Et pour célébrer cette grande fête, plusieurs activités ont eu lieu depuis ce matin. Donc, je vous invite à me suivre. En compagnie de Julien Guimont. Bonjour Julien. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'événement d'aujourd'hui. Ben voilà, on est le 16 juin, c'est la fête du 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille Îles. On est ici sur un site très animé, comme on entend, pour cette célébration-là, d'une journée d'activité pour toute la famille. On a des kiosques de maquillage, des ateliers de dessin pour les enfants. On a des kiosques de toutes sortes d'attraits de la région. On entend présentement des tests de son pour un spectacle musical qui s'en vient plus tard en soirée. Il y a quelques instants à peine, une course de canot long parcours organisée en collaboration avec l'Association des courseurs en canot du Québec vient de prendre fin. Donc, on va connaître les gagnants sous peu. À l'autre bout de la berge, les baigneurs ici à Sainte-Rose, on a aussi des essais d'embarcation gratuits, des canots, kayaks et des rabascas, de même que des bateaux dragons en collaboration avec la compagnie Proaction Dragon. Merci. Et dites-nous, la journée va se terminer comment ou bien va se dérouler jusqu'à quelle heure après? Bien, en fait, on a un site animé comme ça ici jusqu'à 17h. À 17h, on a un souper familial qui va prendre début avec des tirages de prix de présence, quelques petites allocutions. Et le souper va être animé d'un spectacle musical. Trois groupes différents qui vont se présenter à nous, une offrande de jazz, de folk et de musique des années 60. On étire ça jusqu'à 9h environ ce soir et là, on aura un cinéma en plein air jusqu'à 23h. OK, on vous remercie beaucoup. J'espère vous retrouver peut-être tout à l'heure. Absolument. Pour d'autres informations. Absolument. Merci beaucoup. On dit bonjour, moi c'est Clémentine. Et puis, et toi tu t'appelles? Célia. C'est ma belle Célia. T'as quel âge, Célia? T'étais pas sûre là, hein? Presque comme moi. Moi j'ai 12 ans et demi. T'as-tu des souliers? Ouais, j'ai des espèces de souliers de clown, mais ils sont rouges et puis ils sont très jolis. Mais ils sont pas gros comme les vrais souliers de clown, tu sais. Nous sommes ici dans le coin des enfants, comme vous voyez, et nous avons avec nous une charmante mademoiselle qui s'appelle Cassandre. Donc Cassandre, parlez-nous un peu de l'activité pour les enfants. Donc tu es organisatrice ici? Oui, ben moi je m'occupe du kiosque de dessin, c'est l'atelier de dessin. On fait du coloriage, du bricolage, on fait aussi de la peinture. Les enfants sont un petit peu lâchés lousse dans l'atelier et ils vont faire des créations comme ils le sentent, comme ils veulent. Ensuite, ils peuvent l'accrocher sur la corde à linge, soit pour le faire sécher ou soit pour l'exposer. Et quand ils vont le repartir, ils peuvent l'apporter chez eux à la fin de la journée s'ils le veulent. Puis sinon, ils peuvent le laisser ici, puis nous, on va le garder. On va l'exposer au musée à notre... à Éco-Nature, au parc de la rivière des Mille Îles. Très bien, ma chérie. Et puis, tu peux nous montrer quelques travaux que vous avez faits? Oui, bien en fait, on a fait une belle couronne ici qui a été faite. C'est une couronne, oui? C'est une couronne avec un petit sourire. Ouais. C'est une petite fille qui voulait être une princesse, donc elle s'est faite une couronne pour sa tête. On a aussi un hibou. Parce que c'est la petite fille qui s'est inspirée des oiseaux qu'on a sur les dessins là-bas. Puis elle a fait un hibou parce que les oiseaux, ça a des plumes, puis ça brille, donc... C'est un hibou plutôt mignon et bien maquillé, on va dire. Très bien, ma chérie. Merci beaucoup pour ta collaboration. Merci à vous. Donc, okay. Passez une belle journée. Merci, au revoir. Avec le bleu rouge.
Alors, encore une fois, une bonne main d'applaudissements à la finale B. Or, les explorateurs! Bonjour toi, comment tu t'appelles? Kelly. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Bonhomme. Un bonhomme? C'est un bonhomme de neige? Oh, il est très beau. Montre-moi les yeux. Ici. Oh, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a montré à faire ça? Mamie. Mamie? Oh, c'est trop mignon. Et pourquoi tu as choisi? Tu voulais faire un papillon comme Charlia? Oui, parce que je voulais avoir un petit comme un papillon avec des petits détails brillants comme ça. Ok. Et tu aimes bien ton dessin maintenant? Oui, puis la prochaine fois qu'on revient ici, puis je n'aurai pas encore le maquillage, je vais revenir, puis je vais encore faire le maquillage. Très bien. Et on termine en beauté avec Alexia et sa sœur. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. On va juste dire au revoir. Bye bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci, au revoir. À la prochaine. Merci de nous avoir. Notre anniversaire la semaine dernière, celui de Lit avec moi, qui fêtait ses 5 ans. Qu'avez-vous fait de Mademoiselle Bonsoir, espèce de vilaine sorcière? Lui demande-t-il. C'est alors que la porte du placard de la classe s'ouvre. Les pipettes et les bouts de plancher descendent en cascade dans le gymnase. Encore une chance, personne n'est en dessous. Malin, Séraphine et Sébastopol apparaissent dans le cadre de porte. Et devinez qui est avec eux? Leur maîtresse, Mademoiselle Bonsoir, les bras chargés de tous les jouets retirés par la vilaine remplaçante. La maîtresse avait été confisquée, elle aussi. Hier, ils sont venus à sa réunion. Elle est obligée de commander des pizzas pour les nourrir. Bah. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Talbot. Je suis directrice de l'organisme Lit avec moi, un organisme qui fait la promotion de la lecture auprès des jeunes. Cette année, on souffle les 5 bougies pour l'activité Lit avec moi dans la rue, une activité qui se déroule dans 7 parcs de la ville de Laval. Alors, les jeunes de 6 à 12 ans sont conviés à partager des moments de lecture avec nos animateurs professionnels. Alors, bonjour, je me présente. Je m'appelle Marc-André et je suis animateur pour Lit avec moi cette année. Je vais me promener dans les parcs de Laval. Vous voyez ici en arrière de moi, il y a des enfants qui sont en train de profiter d'un merveilleux moment de lecture dans le parc Chénier. Alors cet été à Laval, du 4 juillet au 19 août, Lit avec moi va se promener dans plusieurs parcs à Laval. On va installer de belles couvertures, de beaux livres, nos petites pancartes jaunes qui appellent les enfants à la lecture. Et c'est une activité gratuite et libre à tous d'y participer. Alors, c'est un rendez-vous. Pour toutes les informations, consultez le www.lietavecmoi.com. Didlidou. Le lundi 18 juin dernier, la Ville de Laval lançait sa politique de l'activité physique. Une petite démonstration avec la comédienne Sylvie Lemay. Et aujourd'hui, c'est le début d'un temps nouveau. Pour la première fois dans l'histoire de Laval, santé et activité physique sont réunies sous un même toit, c'est-à-dire la politique de l'activité physique. Dans notre politique d'activité physique et dans notre politique de mobilité durable, vous allez retrouver tout le chemin que nous entendons reprendre avec la communauté en bas âge pour nous assurer que l'enfant, dès qu'il atteint l'âge scolaire, développera, acquérera le réflexe de marcher. Quand j'étais jeune, j'étais moins gros. Mais c'est sûr, la première école que je devais fréquenter, elle était à 1,5 000. C'était l'Académie Saint-Jean-Eudes. Et on revenait dîner le midi. On n'avait pas le temps de manger très longtemps, ce qui nous évitait de manger trop. Puis on tournait pour l'après-midi. Puis on revenait le soir. Puis on servait de nos bicyclettes, puis on jouait partout dans les parcs. Et aujourd'hui, bien, il y a deux obstacles majeurs. La voiture des parents, puis des fois, l'autoroute de l'information, qui, elle, ne permet pas, qui lui permet de circuler au plan de l'esprit tellement rapidement, mais dès qu'il les garde,
tout à fait immobile. Alors, c'est donc un moment extrêmement important aujourd'hui. C'est un moment qui va nous aider à mieux définir l'avenir. C'est un moment qui va nous aider à utiliser toutes les forces que vous êtes dans le milieu, tous les plateaux sportifs que nous avons, et nous assurer que nous créons, dans la tête des Lavallois de tout âge, nous créons l'importance, le réflexe de dire, quand je peux le faire moi-même, sans utiliser un autre moyen de déplacement, je me déplace à pied, je me déplace en courant, je me déplace en vélo, et je prends le transport en commun, et j'aide, moi, comme individu, je viens soulager le budget de santé de la province, mais surtout, j'en serai le premier bénéficiaire parce que j'éviterai des maladies, je coûterai moins cher à la société, ma communauté sera meilleure, et tous ensemble, nous serons tous des gagnants et des gagnantes de cette nouvelle politique d'activité physique. Alors, félicitations à ceux qui l'ont conçue, et à partir d'aujourd'hui, il nous appartient à nous d'en devenir des promoteurs auprès de la population, auprès des organismes, et nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. À bientôt. On va donc profiter de ce lieu fantastique pour déambuler dans le parc et découvrir les orientations à mesure. Donc, le parc, comme disait M. le maire, qui est vraiment un exemple parfait d'espace public, d'espace vert, où on peut pratiquer l'activité physique, où on peut tout simplement y aller avec les enfants. Je vous invite à aller au prochain point. Je sais qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, oh, je vous dis, c'est pas très long, et ça vaut le coup de marcher un peu. » Donc, vous voyez la table à pique-nique là-bas. Le développement d'une culture de la vie active. Alors, Laval veut stimuler les initiatives de la pratique de vie physiquement active. En ce sens, Laval s'engage à sensibiliser les acteurs socio-économiques, les services municipaux et les citoyens à la valeur d'un mode de vie physiquement actif. Justement, à ce sujet-là, s'il y a des partenaires sociaux et économiques qui seraient intéressés à investir dans mon plan de mise en forme, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai entamé des coupures dans ma caisse de 24 hebdomadaires. J'ai aussi un nouveau permis de chasse à la poutine qui n'est valide que les jours fériés. Je n'ai pas encore la mise de fond pour les 5 fruits et légumes essentiels chaque jour, mais je travaille là-dessus. J'ai des contacts qui ont des contacts avec Georges Larac, un végétalien. C'est quand même pas rien, hein, vous avouerez. Monsieur Alors... écoutez, on prend bonne note de tout ça, d'accord? Poursuivez, poursuivez. Je peux poursuivre, là? Oui. D'accord. Orientation numéro 2. Une offre diversifiée, équitable et universelle. On parle ici de disponibilité des infrastructures et des plateaux, tarification, horaires et facilité de transport, accessibilité de la voie publique pour le transport actif. Laval s'engage à évaluer l'usage des aménagements de la voie publique actuelle et à venir pour privilégier le déplacement actif et aussi le rendre plus attrayant. Les engagements municipaux peuvent être plus audacieux. Hein? Je pense à vous, madame, peut-être que vous aimeriez plus le boulingrin extrême. Vous, monsieur, serez peut-être plus du genre tir au poignet sur trampoline. Bien, allez-y, gâtez-vous, hein? Monsieur Durand, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Écoutez, ça m'inspire en vous regardant. Je vous proposerai une nouveauté en matière d'activité physique. Ah ouais? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est pour mon niveau, par exemple, parce que j'ai... Oh, c'est très simple à pratiquer, vous allez voir. Ah ouais? Ça s'appelle la marche contemplative. C'est très, très, très simple. Il s'agit de marcher jusqu'au prochain point. Ouais. Mais sans parler. Alors, vous voyez qu'il y a un certain niveau de difficulté. Je vois que vous avez trouvé mon tendon d'Achille, vous là. Ben, je relève le défi. Arrêtez donc. Bon, on ne fera pas de gageure là-dessus. On va se diriger vers le prochain point, l'orientation numéro 3. Des installations de qualité et un aménagement favorable à la pratique. En ce sens, Laval s'engage à aménager des parcs et des espaces verts et bleus avec des équipements, des installations pour la pratique de l'activité physique. À nous l'espace public.
les parcs, les berges et pourquoi pas la rue. L'espace public est destiné aux citoyens. La politique de l'activité physique s'apprête à travailler à la réduction des contraintes au déplacement actif. En ce sens, Laval s'engage. Donc, Laval s'engage à favoriser une réglementation, une planification urbaine et un aménagement des quartiers qui privilégient le déplacement actif. Une action en concertation et en partenariat. Laval reconnaît formellement l'importance du partenariat et du partage des responsabilités pour arriver à optimiser l'offre et maximiser l'utilisation des ressources. Orientation numéro 6. Un soutien énergique aux bénévolats et aux organisations. Les bénévoles et les divers intervenants de l'activité physique et du sport sont l'ADN d'une ville. Ils méritent d'être respectés et reconnus pour leur travail. Le rôle joué sur le territoire par les bénévoles, les entraîneurs, les officiels, les professionnels et les gestionnaires doit être soutenu. En ce sens, Laval s'engage! Merci! Ah. Mais aujourd'hui, et grâce à vous beaucoup, madame, je sens que je suis sur le chemin, sur la piste cyclable, sur les rapides, sur la course à relais de la guérison et de la mise en forme. Je pense que les Grecs avaient raison là-dessus. Je suppose que tout le monde connaît le fameux adage « Esprit que je suis bien dans un corps sain ». Hein? Et bien là-dessus, mesdames et messieurs, je vous laisse en vous disant que la forme soit avec vous. Oh mon Dieu, une conversion! C'est un grand moment! On a un grand moment! C'est fantastique! Oh mon Dieu, on va quitter le En terminant, la semaine dernière avait lieu le lancement des Fêtes gourmandes internationales de Laval. Festival à saveur familiale, les Fêtes gourmandes internationales de Laval seront de retour pour une troisième année. Les Fêtes gourmandes internationales de Laval cette année se passent du 25 au 29 juillet 2012, évidemment, sur le site de la place Claude-Éveillé à deux pas du métro Montmorency. Les Fêtes gourmandes, c'est festif, c'est familial, c'est de l'Alaska en passant par le Portugal, c'est du kangourou en passant par du bœuf musqué. C'est le terroir du coin, c'est les agriculteurs du coin. C'est vraiment un goût de la nature. C'est un goût, évidemment, de tout ce qui est épicurien. Nous avons cette année une très belle programmation musicale. Le mercredi soir, c'est Marie Chantal qui fait le lancement de son show À ma manière, donc le mercredi soir à 20h. Le jeudi, le groupe Curé Labelle fait la première partie et ensuite un spectacle très festif, I Love Rock and Roll, avec différentes vedettes en scène. Marie Chantal, Tamara Dupuis et bien d'autres, Rick Hughes et bien d'autres. Le vendredi soir, c'est Elle Chante Cabrel, plusieurs artistes, Joe Bocan, Marie Chantal Toupin, Émilie Lévesque et bien d'autres qui vont faire le premier spectacle Elle Chante Cabrel qu'on produit pour l'événement. Le samedi soir, soirée disco avec bien du plaisir, bien de la danse, les années 70-80 avec un jeune DJ qui est Nico. Donc le dimanche, on aura le concours pour les jeunes gagnés à cuisiner. Il va y avoir tout au long de la semaine différentes programmations culinaires, des menus avec la bière, avec Philippe Wouters. Anne Desjardins va préparer différents plats et expliquer et parler du terroir de notre coin. Donc, une programmation de qualité. On attend les gens, évidemment, c'est de tous les âges. C'est très familial, très festif. Ça se passe à deux pas du métro Montmorency. On vous invite. Hamburger de kangourou, saucisse de kangourou, la queue qui se mange. C'est comme... Donc, une dégustation de larves et de grillons, séchés. Le test ultime. Très bon. C'est un goût... Bon appétit. Bon appétit. Pour toute information concernant les Fêtes gourmandes internationales de Laval, consultez le site www.fetesgourmandesinternationales.com.
Chaque dimanche dès 9h30, n'oubliez pas le bingo à la télévision régionale de Laval, animé par Hélène Lavigne. Voici quelques gagnants. Pour connaître la liste des points de vente, visitez le www.bonjourbingo.com. Un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 chaque semaine. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Laval en rafale.